Bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. On va se laisser encore 2 minutes, 2, 3 minutes pour que les gens nous rejoignent progressivement avant de démarrer le webinaire. Alors bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. On va se laisser encore une petite minute avant de démarrer. Alors bonjour ou rebonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Interroger la responsabilité des dirigeants bénévoles. C'est un webinaire qui a été réalisé avec le soutien d'Aesio Mutuel et c'est un webinaire qui s'inscrit à l'occasion de la sortie d'un guide que vous avez dû normalement recevoir avec le lien de connexion et le mailing d'invitation qui s'intitule Revoir les statuts de mon association en 3 questions. Donc, quelques règles techniques peut-être avant de démarrer ce webinaire. Vous avez, comme indiqué dans la barre discussion, vous avez 2 onglets, une barre questions-réponses et une barre discussion. Je vous invite vivement à poser vos questions tout au long de ce webinaire dans la barre Q et R. Sachez que vos questions seront prises en compte et on les posera directement aux intervenants à l'occasion des 2 temps de questions-réponses qui sont prévus au cours de ce webinaire. Donc, je vous invite vivement à poser toutes vos questions tout au long du webinaire. On les prendra en compte et on les posera directement au moment voulu aux intervenants. Concernant la trame de ce webinaire, donc on est ensemble jusqu'à 16h30, l'occasion de parcourir plusieurs choses. Donc, je remercie tout d'abord l'ensemble des intervenants qui nous ont permis de réaliser ce webinaire et de répondre à cette thématique aujourd'hui. Donc, on va parcourir plusieurs choses. Il y aura une introduction d'abord par Jean-Baptiste Mougel d'Aesio Mutuel qui va reposer un peu le cadre de ce webinaire et que je remercie vivement pour sa présence. On aura ensuite Maître Adeline Beaumunier du cabinet Camino Avocat qui fera un zoom sur la responsabilité du dirigeant bénévole au regard de la loi. Et ensuite, on reviendra du coup sur le guide qui vous a été renvoyé, revoir les statuts de mon association en 3 questions pour justement aborder cette fameuse question, la responsabilité du dirigeant bénévole, mais cette fois-ci au regard des documents statutaires. Et enfin, pour apporter quand même du pratico-pratique, on aura un témoignage d'acteur, donc de Caroline Florence, que je remercie aussi pour sa présence. Administratrice de l'association SOS Amitié Nancy-Lorraine, et qui, justement, pour faire face à ces enjeux de renouvellement des instances, etc., et de répartition aussi des responsabilités au sein de l'association, a fait tout un travail de mise en place d'une gouvernance collégiale au sein de l'association. Donc, sans plus tarder, je vais laisser maintenant la parole à Jean-Baptiste Mougel pour introduire ce webinaire.
Merci Mehdi, bonjour à tous et à tous. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour ce séminaire au nom d'Aesio Mutuel. C'est un sujet qu'on travaille avec le mouvement associatif depuis 3 ans maintenant, parce qu'il nous paraît particulièrement stratégique. En effet, si en tant que dirigeant, vous consacrez une partie de votre temps et votre énergie à une cause qui vous tient particulièrement à cœur, vous le faites au profit de l'intérêt général. Et il ne faut pas que cet engagement rime avec des illusions. Alors, dans 9 associations sur 10, cette responsabilité est exercée uniquement par les bénévoles. Et il est bien évident que la grande majorité d'entre vous n'a pas une formation juridique quand il a pris ses fonctions. Et ces risques, ils sont multiples, hein. Alors, notre avocate pourra les décrire mieux que moi tout à l'heure, mais ils peuvent être à la fois RH, hein, si vous avez des salariés, ils peuvent être liés à des conflits au sein de la gouvernance de votre association, ils peuvent être liés au contrôle des administrations, ils peuvent être liés à des fautes graves d'un de vos membres, ou de manière encore plus dramatique, ils peuvent aussi concerner des accidents de personnes. Donc on voit bien qu'on parle de questions qui sont à la fois lourdes et impactantes, à la fois pour vous en tant que personne, mais aussi pour la poursuite, la pérennité de votre structure, de votre association. Donc, pour bien exercer votre mandat, c'est-à-dire vous protéger et protéger votre association, alors je n'oublie pas que je suis une mutuelle, votre métier c'est de protéger, vous devez avoir conscience de la réglementation et des risques que vous prenez lorsque vous prenez des décisions au sein de vos associations. Et le second enjeu, qui sera aussi traité aujourd'hui, c'est pour vous protéger, c'est aussi de partager cette responsabilité au sein de votre bureau et avec les différents membres de l'équipe ou des salariés quand il y en a. Et pour cela, c'est vrai que les statuts sont un élément qui sont central pour guider vos actions au quotidien. Donc, fort heureusement, hein, j'ai peut-être décrit des situations qui étaient un peu dramatiques tout à l'heure, mais c'est dans l'étude que l'on a réalisée avec le mouvement associatif et recherche et solidarité en décembre 2020, seulement un dirigeant sur 5 nous ont déclaré avoir été confronté à des difficultés juridiques au cours de leur mandat. C'était une étude qu'on a faite sur un panel de 4 000 dirigeants associatifs. Pour autant, cette même étude qui vous a donné la parole nous dit que 80% d'entre vous souhaitent avoir plus de précisions sur ces responsabilités et le nombre de participants aujourd'hui, parce que je crois qu'on est plus de 300 aujourd'hui, Mehdi, si tu pourras le confirmer, montre que ce sujet, en tout cas, est un sujet qui vous intéresse et que vous avez conscience de la nécessité de vous former, d'apprendre et d'être parfois accompagné quand c'est nécessaire dans le quotidien de vos associations. Et je crois que c'est vraiment l'intérêt et un bon objectif du mouvement associatif, ben, d'être un peu un poisson pilote aiguillant qui apporte de la ressource, qui apporte des compétences sur ces sujets, en tout cas qui participe à cette sensibilisation. Alors après, vous pouvez avoir dans vos quotidiens, votre proximité, un certain nombre d'organismes qui peuvent vous aider, y compris dans le milieu associatif. Mais en tout cas, bravo et merci au mouvement associatif d'avoir finalement conduit ces travaux, que ce soit l'étude, le guide et aujourd'hui ce webinaire. Je vous remercie à tous et à toutes et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Alors, sans plus tarder, je vais ma maintenant laisser la parole à Maître Adeline Beaumunier, justement pour évoquer cette question de la responsabilité du dirigeant bénévole au regard de la loi. Maître, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous cet après-midi. Alors, ensemble, on m'a donné un quart d'heure, 20 minutes, je crois, pour vous parler de la responsabilité du dirigeant au regard de la loi. Donc, on va parler de droit. Alors, oui, on est en plein après-midi. Je sais qu'il va falloir se concentrer un petit peu, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps pour aborder pas mal de notions. Merci à tous d'avance de toutes les questions que vous pourriez poser aussi ou des exemples que vous auriez à donner. Donc, comme je vous le disais, on m'a demandé de présenter les règles de responsabilité du dirigeant au regard de la loi. Donc, je vous propose une intervention en 3 temps. D'abord, on va définir ce qu'on entend déjà par responsabilité et par dirigeant, parce que c'est une bonne chose si on est bien d'accord sur les notions qu'on va utiliser durant cette intervention. Ensuite, on va revenir sur les 2 grands types de responsabilités. À savoir la responsabilité civile et la responsabilité pénale, et on va voir ensemble leur application dans l'association.
Parce que la question, c'est, voilà, s'il y a un accident, qui est responsable, l'association, le dirigeant, le bénévole. Donc, on va clarifier tout ça. Et enfin, troisième point de mon intervention, parce que j'estime que c'est important de faire quelques focus dessus. On reviendra sur la responsabilité de l'employeur, voilà, pour toutes les associations qui ont du personnel. Ensuite, on évoquera également la responsabilité financière, notamment à la lueur de la loi Waserman qui a assoupli la responsabilité des dirigeants sur ce point-là, il y a bientôt 2 ans maintenant. Et enfin, je terminerai mon intervention avec vraiment un petit focus sur quelques bonnes pratiques qui sont les recommandations que je fais à mes clients et qui sont évidemment en lien avec le guide qui vous sera présenté juste après. Voilà pour le programme qui nous attend. Et donc, comme je vous le disais, on va commencer par définir les notions. Alors, quand on dit la responsabilité du dirigeant au regard de la loi, déjà, soyons bien clairs sur cette notion de responsabilité. On va parler de la responsabilité juridique. Et la responsabilité juridique, pour un dirigeant qui est en fonction, ce n'est pas une option. Voilà, c'est, si on est considéré comme responsable juridiquement, on va avoir l'obligation de répondre d'un dommage, d'un préjudice devant la justice et d'en assumer les conséquences qui peuvent être civiles ou pénales. Voilà les deux grands types de responsabilités dont je vous parlais. C'est de cette responsabilité qu'on va parler. Évidemment, il y a aussi la responsabilité morale, hein, chacun répond de ses actes devant sa conscience, mais voilà, nous, on se concentre vraiment sur la responsabilité d'un point de vue juridique. Ensuite, les deux grands types de responsabilités. Alors déjà, si vous avez compris cette distinction, alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est juste un petit rappel ou une petite révision, mais voilà, c'est un premier point fondamental pour moi quand on est dirigeant d'une association, c'est bien de comprendre la distinction entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Alors, la responsabilité civile, d'abord, vous avez tous entendu ce terme, hein, si vous avez en tête votre assurance, notamment. Donc, c'est une personne physique ou morale qui, dans le cadre de ses activités, va causer un dommage ou un préjudice à une autre personne physique ou morale. Et bah, cette victime, hein, d'un dommage, elle veut obtenir réparation. Et donc, pour obtenir réparation d'un dommage, on va engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage. Et donc, la responsabilité civile, c'est vraiment cette logique de réparation. Et donc, comme vous l'aviez en tête, ça fait partie des bonnes pratiques, comme vous l'aviez en tête certainement, cette responsabilité civile, eh bien, elle peut être couverte par des garanties, une assurance. Et à côté de ça, donc, deuxième type de responsabilité, il y a la responsabilité pénale. La responsabilité pénale, c'est quand une personne va commettre un acte répréhensible, une infraction, un acte interdit par la loi, et elle va rendre compte de ses actes à la société. Et là, on est vraiment dans une logique de répression. Voilà, on a commis une infraction et on peut être condamné à une peine pour sanctionner la réalisation de cette infraction. Donc déjà, quand on parle de la responsabilité du dirigeant, il faut savoir de quel côté on est, parce qu'on n'a pas les mêmes, enfin, il n'y a pas les mêmes conséquences si on est sur une situation qui engagerait la responsabilité civile d'une personne ou la responsabilité pénale d'une personne. Comme on se concentre sur la responsabilité du dirigeant aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de définir aussi qui est le dirigeant, de quoi on parle. Et d'un point de vue juridique, le dirigeant, c'est un mandataire social. Voilà, il a un mandat. Si vous êtes dirigeant bénévole de votre association, vous occupez un mandat. Ça, ce terme, vous avez dû tous l'entendre. Et alors, pour moi, c'est important aussi de pouvoir distinguer déjà dans les termes, hein, la notion de dirigeant, bénévole, membre du conseil d'administration ou du bureau, et ce qu'on peut appeler la direction de l'association, le directeur salarié, par exemple. Quand moi, j'utilise le terme de directeur, c'est vraiment pour penser au poste directeur salarié. Alors, pour revenir sur le dirigeant mandataire, en fait, on va lui appliquer les règles du code civil.
Le Code civil, il nous dit que le dirigeant mandataire social, donc c'est une personne qui est mandatée pour agir au nom et pour le compte de l'association et conformément aux dispositions visées par les statuts de l'association. La définition légale du mandat, elle est donnée hein, dans le support, l'article 1984 du Code civil. Et on est vraiment, voilà, c'est quand on est élu dirigeant de l'association, on nous donne un mandat, c'est-à-dire on nous demande d'agir au nom et pour le compte de l'association en son nom. Et il y a bien contrat de mandat parce que on a accepté ce mandat. Quand on est élu, on a d'ailleurs nous dans les associations qu'on accompagne, on demande souvent aux structures de demander à la personne élue qu'elle confirme bien accepter son poste, voilà. Donc d'accepter le mandat. Alors souvent, comme l'étendue, le périmètre du mandat du dirigeant, eh bien, il renvoie au statut, on y reviendra hein, dans la présentation du guide juste après, on se retrouve dans les associations souvent avec deux types de mandats. Soit on a des mandats plus spéciaux où on a bien les différents pouvoirs qui sont bien encadrés et précisés, soit on est plutôt sur un mandat général d'agir au nom et pour le compte de l'association sans forcément plus de précision. Voilà, donc vous verrez tout à l'heure en fonction de du niveau de précision qu'on met dans les statuts, eh bien, le périmètre du mandat va être plus ou moins clair. Voilà pour ça. Et donc, dans l'association, attention à bien être clair aussi, là encore, vous avez peut-être déjà entendu ces notions sur la distinction qui peut être faite entre un dirigeant de droit et un dirigeant de fait dans l'association. Le dirigeant de droit dans l'association, c'est celui qui est déclaré en préfecture. Et comme je le disais juste avant, du coup, les pouvoirs de ce dirigeant de droit, ils vont être précisés dans les statuts de l'association ou même dans un mandat spécial, hein, dans une délibération d'une instance statutaire, par exemple. En revanche, parfois, ce n'est pas forcément le dirigeant de droit qui exerce effectivement les fonctions de dirigeant de l'association. On peut être sur ce qu'on appelle un dirigeant de fait. Et ce dirigeant de fait, ça peut être un salarié ou non salarié, il peut être même pas désigné dans les statuts, mais c'est quelqu'un justement qui, dans les faits, va exercer un contrôle constant et effectif dans le cadre de la direction de l'association, dans la gestion de l'association. Alors parfois, ça va être le directeur salarié qui va en réalité occuper les fonctions de dirigeant, effectivement les fonctions de dirigeant de l'association, au lieu et place des dirigeants de droit. Et donc, pourquoi je vous précise ça ? Parce qu'un dirigeant de fait, il va être assimilé au mandataire social en termes de responsabilité, c'est-à-dire il va engager sa responsabilité au même titre que le dirigeant de droit. Donc voilà, c'est pas parce qu'il n'est pas déclaré comme tel en préfecture qu'il pourra s'exonérer de toute responsabilité. Voilà pour les différentes notions. Donc on n'a pas beaucoup de temps, mais j'espère que ça a quand même pu clarifier ou au moins qu'on est à peu près clair sur les notions. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir sur les deux grands types de responsabilités, hein, la responsabilité civile du dirigeant et la responsabilité pénale du dirigeant. D'abord, la responsabilité civile du dirigeant. Alors, la responsabilité civile du dirigeant, il y a encore deux petits tiroirs à ouvrir là. On va distinguer la responsabilité civile du dirigeant vis-à-vis des membres ou des tiers à l'association. D'accord ? Et la responsabilité civile du dirigeant vis-à-vis de l'association elle-même. D'accord ? Dans le cadre de son contrat de mandat. OK ? Donc d'abord, la responsabilité civile du dirigeant vis-à-vis des tiers. Alors là, première bonne nouvelle, on applique ce qu'on appelle le principe de l'écran protecteur. Là encore, c'est le Code civil, vous avez les références dans le support. C'est-à-dire, autrement dit, si un dirigeant cause un dommage à un membre ou un tiers à l'association,
et que cette personne veut obtenir réparation. En fait, c'est d'abord et avant tout la responsabilité civile de l'association personne morale qui sera engagée. Alors, évidemment, vis-à-vis des tiers, c'est à travers l'action des personnes physiques de l'association, hein, mais c'est vraiment, imaginons, l'association qui fait écran protecteur entre les membres, les tiers à l'association et ses dirigeants. Donc, le dirigeant, il est protégé par principe, c'est la responsabilité civile de l'association. Évidemment, en droit, il y a les principes et il y a toujours des exceptions. Et donc, pour que cet écran protecteur il fonctionne, il faut bien que le dirigeant il reste, dans le cadre de l'exécution de son mandat, dans le cadre de l'objet social de l'association et qu'il ne commette pas de fautes qu'on appelle des fautes détachables de ses fonctions. Si vraiment le dirigeant, il commet une faute détachable, hein, c'est-à-dire s'il agit complètement, volontairement, en dehors de l'objet social de l'association, ou bien dans un intérêt personnel, par malveillance, ou qu'il commet une faute extrêmement grave, il pourra engager sa responsabilité personnelle, et l'écran protecteur ne vaudra plus, mais on est bien dans des situations quand même déjà assez inquiétantes. Hein. Juste à titre d'exemple, hein, il y a eu une décision de justice Cour de cassation en 2003 qui expliquait que la responsabilité personnelle du dirigeant, elle peut être retenue, donc s'il a commis une faute détachable de ses fonctions, et les juges nous ont dit, il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions. Vous avez vu, ce n'est pas une petite erreur dans le délai de convocation de l'AG. Hein, on est vraiment voilà, sur des fautes déjà suffisamment graves pour considérer que le dirigeant n'a pas à ce moment-là agi dans le cadre normal de ses fonctions. OK ? Donc ça, vis-à-vis des membres ou des tiers, voilà. Le principe de l'écran protecteur et en exception, faute détachable des fonctions. Maintenant, la responsabilité du dirigeant vis-à-vis de l'association. Je vous disais tout à l'heure, le dirigeant, c'est un mandataire social. Donc, sa responsabilité vis-à-vis de l'association, c'est une responsabilité de mandataire, là encore, régie par le Code civil, vous avez les références. Le Code civil, il nous dit quoi ? Il nous dit bah, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. Donc, déjà, ça veut dire dès lors qu'on respecte le périmètre de notre mandat, le dirigeant, dans ce cas-là, il agit en sécurité et il limite les risques de voir sa responsabilité engagée vis-à-vis de l'association. Quand est-ce qu'il va engager sa responsabilité de mandataire vis-à-vis de l'association ? Eh bien, s'il commet une faute personnelle, une faute de gestion, mais ce n'est pas suffisant pour engager la responsabilité civile du mandataire comme de n'importe quelle personne d'ailleurs, il faut une faute, mais il faut également un préjudice. Là, c'est un préjudice subi par l'association, donc elle engage la responsabilité du dirigeant, et il faut un lien entre la faute et le préjudice. Alors, rapidement, quelques exemples de fautes de gestion. Ça peut être des fautes de gestion par omission. Voilà, si on se désintéresse complètement de l'association, on ne cherche même pas à convoquer les instances, on est complètement absent. À un moment donné, si on ne veut plus s'intéresser, on peut en tirer les conséquences et démissionner. Mais rester en poste, mais se désintéresser complètement, ça peut être considéré comme une faute de gestion. Il peut y avoir aussi des fautes de gestion dans des décisions sur le plan financier, voilà, acheter ou vendre un immeuble dans des conditions anormales, ça peut être considéré comme une faute de gestion, ou alors décider d'investissements trop importants par rapport aux finances de la structure, là encore, ça a pu être considéré par les juges comme des fautes de gestion. Voilà pour la responsabilité civile du dirigeant. J'espère que je suis toujours dans mon timing. Mehdi, tout va bien?
C'est très bien, Adeline. Super. Alors, maintenant qu'on a rappelé les principes de responsabilité civile, on va évoquer la responsabilité pénale du dirigeant. Alors, évidemment, c'est celle qui vous inquiète peut-être le plus. En fait, sur le plan pénal, on va vraiment appliquer ce qu'on appelle le droit commun de la matière pénale, c'est-à-dire, voilà, c'est les règles normales, hein, applicables pour toute personne, finalement, qu'on soit dans le cadre associatif ou hors du cadre associatif. Alors, petit rappel, déjà, tout à l'heure, on disait, hein, la responsabilité pénale, c'est une personne qui commet un acte répréhensible, une infraction, et qui va rendre compte à la société. Et alors, ces infractions, elles sont de trois catégories d'infractions en fonction de leur gravité. Alors, vous avez dû tous entendre ces notions-là. On a d'abord l'infraction la moins grave, hein, la contravention, qui peut conduire. Si on vous parle de contravention, il faut avoir en tête que voilà, ça se règle par une peine d'amende. Sans plus, voilà, c'est les infractions de première catégorie, enfin les moins graves. Ensuite, on peut avoir le délit, par exemple un vol, on est sur du délit. Alors là, le délit, on est quand même sur des infractions déjà un peu plus graves, puisque on encourt des peines, à la fois des peines d'amende, mais qui peuvent aller jusqu'à d'autres peines privatives de liberté, telles l'emprisonnement. Et enfin, le crime pour les infractions les plus graves. Alors, pour engager la responsabilité pénale d'une personne, donc que ce soit vous à titre personnel ou un dirigeant d'une association, ah non, Mehdi, ça a été trop rapide, encore un petit peu. Je veux revenir quand même sur les éléments qu'on doit démontrer pour engager la responsabilité pénale de quelqu'un, pour que tout le monde soit bien clair avec ça. Pour pouvoir engager la responsabilité pénale d'une personne, il faut déjà que l'acte qu'on nous reproche soit bien une infraction au regard de la loi. Il y a un principe, on appelle ça le principe de l'égalité des délits et des crimes. Il n'y a pas d'infraction sans texte qui prévoit que tel fait est une infraction et qui prévoit également la peine encourue. Parce que si un texte de loi nous interdit de faire quelque chose, mais qu'on n'a pas une peine encourue, voilà, ce n'est pas considéré comme une infraction pénale. D'accord? Donc, il faut cet élément légal, hein, il faut un texte qui encadre ça. Ensuite, il faut bien des actes, enfin voilà, un élément matériel qui matérialise l'infraction. Et enfin, en principe, on recherche aussi l'élément moral, puisque le code pénal nous dit il n'y a point de crime ou de délit sans intention de les commettre. Donc, quand il s'agit d'un délit, d'un crime, on ne parle pas de contravention, hein, pas des plus petites infractions, mais on cherche l'élément intentionnel. D'accord? Alors, vous êtes en train de vous dire, attendez, elle est en train de me parler d'éléments intentionnels, alors que moi, je sais très bien qu'il y a des gens qui peuvent être poursuivis pour coups et blessures ou homicide involontaire. Effectivement, le code pénal nous dit il n'y a point de crime ou de délit sans intention de les commettre, sauf si la loi le prévoit autrement. Et donc, il y a quelques textes de loi qui prévoient la responsabilité pénale pour des délits non intentionnels, comme coups et blessures involontaires ou homicide involontaire, par exemple. Mais on est vraiment dans des cas exceptionnels prévus par les textes. En dehors de ces situations prévues par les textes, on va forcément rechercher l'intention pour pouvoir engager la responsabilité pénale de quelqu'un pour un délit ou un crime. Okay? Et enfin, avoir également en tête que chacun est pénalement responsable des infractions dont il est auteur, co-auteur et complice ou complice. Okay? Et donc, une fois qu'on a ça à l'esprit, dans l'association, comment ça se passe? Qui est responsable pénalement? Eh bien, les personnes physiques, donc le dirigeant bénévole par exemple, il sera responsable pénalement des infractions commises de son propre fait. C'est le code pénal. Alors, par exemple, je pourrais vous donner tout un tas d'exemples théoriques. Heureusement, ça n'arrive pas souvent dans les associations. En tout cas, dans mes dossiers, je ne croise pas tous les jours. Pour un dirigeant, l'abus de confiance, par exemple,
un dirigeant qui va détourner de l'argent du compte bancaire de l'association pour créer un autre projet de son côté. Ça, c'est une infraction pénale et c'est sa responsabilité pénale qui sera engagée. Et pour les personnes morales, parce que oui, depuis, alors ce n'est pas depuis toujours, hein, mais depuis les années 90, les personnes morales comme les associations peuvent engager leur responsabilité pénale. Et donc, elles engagent leur responsabilité pénale pour des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants. Donc, dans certaines situations, si on considère que une instance de l'association ou son dirigeant, il a commis une infraction pour le compte de l'association, et ben ça va engager la responsabilité de l'association personne morale. Et évidemment, comme chacun est pénalement responsable des infractions dont il est auteur, co-auteur ou complice, on peut imaginer, en fonction, encore une fois, des situations de fait, un cumul de la responsabilité pénale de l'association et du dirigeant. Si on estime qu'il a agi pour partie pour le compte de l'association et pour partie de son propre fait en tant qu'auteur, co-auteur ou complice. Voilà. Et enfin, alors, en matière de responsabilité pénale, juste un dernier mot, en cas d'accident, enfin voilà, on peut être dans les associations sur les délits non intentionnels. Hein. Donc, c'est la responsabilité du dirigeant qui n'est pas auteur direct d'une infraction. Il ne sera peut-être même pas là quand l'accident va se produire. Mais le code pénal prévoit dans certains cas qu'il peut engager sa responsabilité pénale s'il a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la survenance de l'accident ou s'il n'a pas pris les mesures pour l'éviter. Mais pour cela, il faut qu'on puisse établir qu'il a soit violé délibérément une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou un règlement, ou alors commis une faute tellement grave en exposant des personnes à un risque grave qu'ils ne pouvaient ignorer, que voilà, dans ce cas-là, il peut engager sa responsabilité pénale pour un délit non intentionnel. Alors, faut toujours avoir en tête, hein, dans ces situations-là, que en fait, la gravité de l'infraction, évidemment, elle va être en fonction aussi de la gravité de l'accident. Parce que dès qu'il y a un accident grave, des blessés graves, voire des morts, et bien on va chercher un coupable et donc on va aller creuser un petit peu plus. Et puis, on peut comme ça se retrouver à poursuivre des dirigeants sur le plan pénal. Mais ça reste des cas très exceptionnels, heureusement. OK. Alors, il doit me rester 2 minutes, mais je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça soit suffisant. Comme je vous le disais, le petit focus. Alors déjà, focus sur la responsabilité de l'employeur. Parce que pour toutes les associations qui embauchent du personnel salarié, et ça vaut à partir du premier salarié, même s'il est à temps partiel en CDD pour une semaine, vous devenez employeur. Il faut avoir quelques points de vigilance à l'esprit. Déjà, première chose, c'est bien l'employeur, c'est bien l'association personne morale. Et après, il va y avoir au sein de l'association quelqu'un qui va exercer la fonction employeur. Et donc ça, il faut déjà être clair sur qui exerce la fonction employeur dans l'association. Et normalement, on va regarder, première chose, dans les statuts. Ensuite, en matière de responsabilité, ben, on revient sur les deux grands types de responsabilité, sur le plan civil et sur le plan pénal. Sur le plan civil, le Code civil nous dit bien que l'employeur, hein, le commettant, est responsable des faits de son préposé. Bah, comme pour le dirigeant bénévole, il y a l'écran protecteur, là, l'employeur, il va être responsable des dommages qui vont être causés par son salarié. Donc, si un salarié casse l'ordinateur d'un membre de l'association, vous n'allez pas retenir le prix de l'ordinateur sur son salaire. Évidemment, hein, c'est l'association, non, mais je vous dis ça parce que j'ai déjà vu le cas, c'est l'association qui va assumer la responsabilité du dommage qui a été causé par son salarié. Dernière chose, l'employeur est responsable vis-à-vis de son salarié de la bonne exécution du contrat de travail et il doit lui garantir sa sécurité physique et psychique. Et ça, c'est une obligation de sécurité de résultat. Donc, l'employeur, voilà,
à ces responsabilités qui sont assez importantes. Et enfin, sur le plan pénal, l'association personne morale, elle peut voir sa responsabilité pénale engagée, hein, c'est les règles qu'on a rappelées précédemment. Alors quand même, en matière de droit du travail, il y a beaucoup de manquements par l'employeur qui sont constitutifs d'une infraction pénale. Alors, contravention ou délit, mais en tout cas, voilà, c'est des infractions pénales. Le non-respect de la durée du travail, le fait de ne pas bien déclarer ses salariés, de ne pas leur payer leurs heures supplémentaires, tout ça, c'est des infractions pénales potentielles. Donc, on peut facilement se retrouver à commettre des infractions pénales sans même s'en rendre compte, parfois. Et en droit du travail, c'est souvent la notion de chef d'entreprise ou son délégataire qui est visée. Et donc là, en effet, c'est le chef d'entreprise, c'est le représentant légal de l'association ou celui qui va être désigné comme celui en charge de la gestion du personnel, souvent le président dans le schéma classique, ou alors son délégataire, hein, si vous avez un directeur salarié et que vous lui avez délégué le pouvoir en matière de gestion du personnel, c'est lui qui va voir sa responsabilité pénale de chef d'entreprise, entre guillemets, engagée. D'où l'importance, dans ces cas-là, d'avoir des belles délégations de pouvoir. Dernier mot, j'ai presque fini. Et pas des moindres, hein, la responsabilité financière du dirigeant. Parce que quand même, maintenant qu'on a recalé un petit peu les notions civiles, pénales, que vous êtes un petit peu au clair sur ce que risque ou pas le dirigeant bénévole, on peut se poser la question, est-ce que si l'association est en difficulté financière, je vais devoir régler les dettes de l'association sur mon propre patrimoine en tant que dirigeant bénévole? La réponse, c'est non. En principe, l'association répond de ses dettes sur son propre patrimoine. Même si elle est mise en redressement ou en liquidation judiciaire, ça ne veut pas dire qu'on ira chercher les fonds manquants sur le compte personnel du dirigeant. Par exception, si l'association est en insuffisance d'actifs, hein, donc en cessation des paiements et en liquidation judiciaire, un dirigeant peut parfois être condamné à combler le passif, mais s'il a commis des fautes de gestion. Comme je vous donnais des exemples tout à l'heure, un désintérêt pour la gestion de l'association, il est absent à toutes les réunions, il n'en a rien à faire, voilà. Ou alors s'il ne déclare pas la cessation des paiements, parce qu'on doit déclarer la cessation des paiements au tribunal, là, c'est des fautes de gestion qui peuvent engager sa responsabilité financière. Cette responsabilité financière, elle a été assouplie en 2021, puisque cette loi Waserman a modifié le code de commerce et qui applique maintenant les mêmes règles que pour les dirigeants de société, ce qui n'était pas le cas avant pour les dirigeants bénévoles. Et désormais, vraiment, cette responsabilité financière du dirigeant, si l'association est en liquidation judiciaire, elle ne pourra être engagée pour simple négligence dans la gestion de l'association. D'accord. Donc, il faut vraiment des grosses fautes de gestion pour que cette responsabilité financière du dirigeant soit engagée. Alors, je ne voulais quand même pas finir sur une note trop dramatique et je voulais vous donner quelques pistes de solutions que vous allez encore plus approfondir avec les interventions suivantes. Mais quelles solutions? Comment prévenir les risques et limiter l'engagement de nos responsabilités civiles, pénales, financières, etc. Dans vos associations, première chose, il y a l'information, la formation. Ben voilà, n'hésitez pas à aller chercher l'information, à vous former. Il y a des formations pour les dirigeants bénévoles, notamment le certificat de formation à la gestion associative. Il y a plein d'organismes qui le proposent. Les collectifs de formation pour les dirigeants. Le mouvement associatif doit avoir aussi des propositions à vous faire sur ce point. Deuxième chose très importante, évidemment, l'assurance, y compris les garanties qui couvrent les mandataires sociaux, donc les dirigeants bénévoles, d'accord. Et en matière de prévention des risques, il faut intégrer aussi les risques juridiques auxquels on ne pense pas forcément. On pense aux risques en matière de sécurité des participants à une activité, mais parfois moins aux risques juridiques, alors qu'il y a quand même quelques bonnes pratiques à mettre en place pour limiter ces risques, notamment avoir des statuts adaptés sur mesure, et ça, je laisse les intervenants suivants vous en parler. Mettre en place des pratiques de bonne gouvernance, là aussi, vous allez avoir quelques précisions. Avoir une répartition cohérente et efficace des pouvoirs au sein de l'association, vous allez également en parler.
formaliser les décisions, quand vous établissez un PV d'une réunion, c'est bien, c'est important de le faire sérieusement pour bien retranscrire les décisions qui ont été prises. Ça, ça a une force probante, hein, c'est-à-dire que ça peut servir de preuve en cas d'action en justice des décisions qui ont été prises collectivement et non pas par un dirigeant tout seul. Et ça, c'est important pour limiter les risques de voir la responsabilité personnelle du dirigeant engagée. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Merci en tout cas de votre attention. Et puis, je vais aller regarder les questions qui ont dû être posées durant l'intervention. Merci à tous pour votre écoute. Merci infiniment, Maître, pour cette présentation très éclairante et contrainte dans le temps. Justement, on va se prendre un petit temps là pour poser quelques questions. Donc, on va prendre 4 à 5 questions là que je vous propose de vous poser. Alors, la première, alors, si ça vous convient, je vous les pose par tranche de 2 questions. La première, c'est si les statuts ne précisent pas qui a le mandat de dirigeant, comment cela se passe en termes de responsabilité? Donc, ça, c'est la première question. Et la seconde, c'est dans le cas d'une direction collégiale, d'une coprésidence, y a-t-il des démarches particulières à effectuer? Comment la responsabilité est-elle partagée? Voilà. Alors, c'est pour moi les réponses, d'accord? Oui. Non, mais parce que peut-être qu'il y avait d'autres intervenants qui voulaient intervenir. Alors, très bonne question. Si les statuts ne précisent pas qui a le mandat de dirigeant, c'est le premier problème, justement. Parce que le problème, si on n'arrive pas à délimiter le périmètre du mandat du dirigeant, c'est que comment s'assurer qu'il a respecté le périmètre de son mandat. Donc, après, on va avoir d'autres éléments. On peut avoir des délibérations d'instances qui peuvent préciser qu'un mandat a été donné pour faire ceci, cela ou que telle personne était en charge de ceci, cela. Mais en réalité, dans le silence complet des statuts, l'idéal, c'est d'interroger l'Assemblée générale, l'organe souverain de l'association, pour déterminer qui peut faire quoi. Voilà. Sinon, en effet, on va avoir toutes les difficultés du monde à déterminer qui est responsable de quoi. Et dans le cas d'une direction collégiale ou coprésidence, là encore, en fait, c'est important d'avoir pu délimiter le périmètre du mandat de chacun. Alors, sauf erreur de ma part, de ce que j'ai pu croiser en pratique, il y a soit chacun a les mêmes pouvoirs équivalents, soit chacun a ses fonctions spécifiques. Et ça, on l'a précisé aussi, en fait, dans les statuts ou éventuellement dans le règlement intérieur. Très bien, merci. Alors, il y a une remarque. Prenons l'exemple d'un club qui organise une fête annuelle qui est composée d'une réunion et d'un verre de l'amitié en extérieur. Le préfet interdit soudainement tout rassemblement en extérieur. Cette interdiction n'est pas respectée. Donc, qui est responsable? Le club en tant qu'entité morale, le dirigeant ou les membres du conseil d'administration qui ont pris la décision? Et la personne précise que le problème lui semble venir de l'absence de clarté dans la gouvernance et de qui prend la décision et donc de notre responsabilité en tant que personne. Ben oui, oui. Alors, c'est un cas concret, j'imagine récent peut-être, malheureusement. Alors, évidemment, il y a aussi le fait que le risque zéro n'existe pas, donc il peut très bien se produire des choses, enfin voilà, où on peut ne pas respecter une obligation ou autre et puis qu'il ne se passe rien parce que il n'y a pas eu d'accident, on n'a pas été, sanctionné, enfin voilà, on n'a pas été pris en flagrant délit ou autre et puis finalement personne n'en sait jamais rien. Donc le simple fait de ne pas respecter l'interdiction. Ça n'engage pas forcément la responsabilité de quelqu'un, d'accord? La responsabilité pénale, pour qu'elle soit engagée, il faut quand même que l'infraction vienne aux oreilles du procureur de la République, hein, pour qu'il décide de poursuivre ou pas quelqu'un pour une infraction pénale. Et en matière de responsabilité civile, pour engager la responsabilité civile de quelqu'un, il faut un préjudice,
une faute, un préjudice et un lien de causalité. Donc, si on n'a pas tout ça, là encore, la responsabilité ne sera pas engagée. Ça, c'est première chose, parce que je ne l'ai peut-être pas forcément rappelé tout à l'heure. En fonction des faits, hein, si on est sur de la responsabilité civile ou pénale, ça ne sera pas forcément la même chose pour déterminer qui est responsable. Si c'est du civil, qu'il y a des dommages qui ont été causés à quelqu'un, c'est l'association, sauf au détachable des fonctions du président, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Et puis, en matière pénale, s'il y a infraction pénale, là, on peut être dans un cas, en effet, où si c'est le président qui a décidé, c'est lui qui peut engager sa responsabilité pénale pour délit non intentionnel, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais là encore, vraiment, c'est que des hypothèses. Ça dépend vraiment de la situation, si déjà il y a matière à engager la responsabilité civile et ou pénale de quelqu'un. Merci beaucoup. Et enfin, une dernière question sur la thématique de la délégation de pouvoir qu'on évoquera également dans un second temps, mais on peut peut-être commencer à l'esquisser. Pourriez-vous évoquer le périmètre des délégations de pouvoir qu'un président, donc bénévole, peut donner à un coordinateur salarié d'une association ? Alors, la délégation de pouvoir, alors déjà, il faut que la personne qui va déléguer des pouvoirs, elle dispose bien de ses pouvoirs. Hein. Je préfère le préciser. Parce que si c'est des pouvoirs qui sont dans les statuts attribués au conseil d'administration, il faut déjà que le conseil d'administration éventuellement délègue ses pouvoirs au président, si ensuite il délègue ses pouvoirs à un salarié. Alors cette délégation de pouvoir, pour qu'elle soit considérée valable, hein, et donc qu'elle vaille bien transfert de la responsabilité pénale, il faut souvent qu'elle soit faite à un préposé, à quelqu'un qui est en lien souvent hiérarchique en dessous, et ça ne peut pas être n'importe quel salarié, c'est pas du tout péjoratif, mais il faut que la personne elle ait quand même les compétences, qu'on lui donne les moyens d'exercer le pouvoir et qu'elle ait l'autorité suffisante aussi pour exercer concrètement et effectivement ce pouvoir. Sinon, si on n'a pas le respect de ces trois éléments, il n'y aura pas forcément transfert de la responsabilité pénale. Donc, ça se fait. Et il faut bien le formaliser par écrit. Et moi, je conseille vraiment de faire une délégation de pouvoir hors contrat de travail, hors statut, vraiment un document à part, puisque c'est une délégation de pouvoir qui est entre le président en fonction, par exemple, et le salarié en fonction. Donc, on formalise correctement cette délégation. Merci beaucoup. Et enfin, j'avais peut-être une dernière question. On l'avait évoqué au préalable de nos échanges à l'occasion de la construction de ce webinaire sur le contrat d'engagement républicain. Alors, on ne l'a pas affiché tel quel, on ne l'a pas évoqué dans le webinaire, mais peut-être juste mettre, si vous aviez quelques éléments, sur est-ce que le contrat d'engagement républicain a un impact finalement sur la responsabilité des dirigeants bénévoles. Alors sans revenir sur le débat quant à l'existence, le périmètre de ce contrat, etc., le fait est que si on regarde les textes, le contrat d'engagement républicain, quand on est souscrit hein, pour pouvoir obtenir une subvention, un agrément ou la reconnaissance d'utilité publique, les dirigeants de l'association s'engagent à respecter certaines obligations et notamment s'engage à faire en sorte que les membres de l'association eux-mêmes respectent les engagements souscrits. Et les textes renvoient même à l'ensemble du conseil d'administration qui doit prendre des mesures pour s'assurer du respect des engagements par leurs membres. Alors, j'ai été interrogée par certains clients sur le sujet. Pour l'instant, on n'est vraiment encore que sur de la théorie s'agissant de la responsabilité des dirigeants. Il y a les questions administratives, de suppression de subventions ou autres, mais sur la responsabilité des dirigeants pour non-respect par un des membres du contrat d'engagement républicain, j'attends les premières décisions de justice ou plus d'éléments pour pouvoir apporter des précisions sur ce point. Pour moi, on est encore dans le flou sur tout ça. Merci infiniment, Maître, pour toutes ces explications et ces éclaircissements. Sans plus tarder, je vois que le temps file. Je vais
Laisser la parole à Leslie Martin du mouvement associatif Hauts-de-France et Christophe Guédier, président d'AnimaFac, pour revenir sur la responsabilité du dirigeant bénévole au regard des documents statutaires à travers la présentation du guide. Donc, revoir les statuts de mon association en trois questions. Donc, je vais partager le document. Tac, tac, tac. Pour votre information, je vois que les questions affluent. Il y aura un dernier temps de questions-réponses, rassurez-vous, en fin de webinaire. Alors, le voici. Christophe, je vous laisse prendre la parole. Très bien, merci. Alors, pour vous représenter un petit peu rapidement ce guide que peut-être vous avez lu ou pas encore, vous allez découvrir du coup au cours de ces prochaines minutes. L'objectif de ce guide, en fait, c'était de permettre de donner un outil aux assos du coup pour un peu questionner du coup leur statut, leur actualisation. Est-ce que du coup les pratiques qu'on a actuellement dans notre asso est conforme à nos statuts? Parce qu'on sait que nos assos peuvent une plasticité très forte et évoluer très rapidement. Et donc c'est un peu l'objet de questionner du coup sur trois points clés. Du coup la bonne mise à jour de nos statuts et aussi du coup un peu s'assurer qu'en termes de responsabilité des dirigeants, les risques soient limités. Et donc, on s'est axé du coup autour de trois thématiques dans lesquelles on va faire du coup un peu des petits points de contexte, mettre en lumière certains points de vigilance, donner aussi un peu des conseils, par exemple, sur de la rédaction, et aussi faire des zooms plus spécifiques. Et donc, un peu avant les questions-réponses, on aura aussi un petit zoom, un gros zoom carrément sur la gouvernance collégiale et un témoignage du coup sur la mise en place d'une gouvernance collégiale au sein d'une asso employeuse. Et on peut commencer tout de suite du coup par le premier zoom sur l'objet de l'association. Et donc, est-ce que l'objet de mon asso correspond encore à ce que je fais aujourd'hui? Donc, pour rappel, l'objet social, c'est un peu ce qui correspond à la raison d'être de l'association. C'est un article qui est obligatoire et qui est imposé par la loi 1901 du coup, dans les statuts d'une asso. Et ça va déterminer du coup ce que peut faire en tout cas la capacité du coup juridique de l'association à agir, donc quel type d'action on va pouvoir entreprendre, quel type de manifestation on va pouvoir faire, et donc toutes les actions de l'association doivent s'inscrire dans ce biais-là, et donc en point de vigilance qu'on a mis, il y a deux éléments principaux. Premièrement, du coup, que l'objet doit être précis, détaillé et pouvoir être évolutif aussi. Donc, qu'on puisse en fait anticiper à l'avance d'éventuelles modifications de statut au cours de la vie de l'association. Et aussi, du coup, il est quand même conseillé de préciser le type d'activité que peut mener l'association en termes de thématique d'intervention, de lucrativité ou non des activités. Donc, et rapidement sur les petits conseils du coup qu'on a pu vous mettre, sachant que c'est des premiers conseils, mais c'est une invitation en fait à aller pousser plus loin ces réflexions-là. Et globalement, du coup, se saisir de questions d'objets et des autres aussi des articles de vos statuts. Et donc, sur ces conseils, donc, c'était essayer d'aller mobiliser du coup l'ensemble des parties prenantes de l'association, qui soient adhérents, bénéficiaires, bénévoles, partenaires aussi, pour identifier du coup les objectifs communs. Et du coup, en fait, c'est un peu ce qui fait sens et les valeurs partagées par l'association et ses activités pour répondre du coup au projet de l'association. Et du coup, d'anticiper un petit peu cette évolution, comme ça a pu être dit en préambule, et aussi du coup que l'objet de l'association est à distinguer du projet associatif qu'on peut avoir par ailleurs des fois dans des documents un peu annexes au statut, avoir des documents récap de projet associatif sur les années à venir. Et donc, à ce titre, le projet associatif n'est pas inscrit dans les statuts de l'association, mais on peut quand même le revisiter régulièrement lors des assemblées générales et l'adapter du coup sans formalisme administratif contraignants comme peuvent l'être les sessions. Et je vais laisser Martin du mouvement associatif de France pour vous faire un petit focus sur la gouvernance. Merci Christophe. Oui, alors le deuxième point important, c'est effectivement la gouvernance et comment adapter sa gouvernance pour animer le projet associatif, puisqu'on part bien du principe que c'est le projet associatif qui compte dans une association.
Donc, comment est-ce que la gouvernance se met au service du projet associatif de la même façon que les salariés sont au service du projet associatif, que le modèle économique est au service du projet associatif? Voilà, comment est-ce qu'on adapte notre gouvernance? Alors, la gouvernance, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, quand on parle de gouvernance, on parle des règles et des processus qui définissent de quelle manière les personnes se concertent, délibèrent, prennent des décisions pour orienter les actions de l'association. Donc, c'est bien les règles et les processus dont on parle, non les personnes. C'est vraiment la question du partage du pouvoir et des responsabilités qui est en jeu. Et en fait, repenser la gouvernance d'une association, c'est l'occasion en fait d'apporter de la démocratie en interne dans l'association, et c'est l'occasion aussi d'inclure l'ensemble des acteurs dans le projet associatif. Je parle sous le contrôle de l'avocate, mais la loi, elle ne précise pas les modalités, une modalité de gouvernance type. Il y a une grande liberté dans la loi autour de ça, sur la façon d'organiser sa gouvernance dans une association. Donc, il s'agit en fait de trouver l'organisation qui convient le mieux à votre association pour le projet. Et donc, c'est les statuts finalement qui font la loi de l'association, et c'est important de savoir les faire évoluer dans le temps. Alors, concernant l'Assemblée générale, qui est une première instance de gouvernance, vous le savez, c'est l'occasion pour les dirigeants associatifs de réunir les membres, de parler des activités qui viennent découler sur l'année précédente, de discuter des projets à venir, d'approuver le volet financier et de renouveler les instances dirigeantes si besoin. Donc, les modalités d'organisation de l'AG, elles sont définies dans les statuts. Donc, c'est important de voir la rédaction des statuts sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on convoque les personnes, la temporalité de réunion d'AG, les personnes autorisées à y participer. Et au-delà des statuts, vous pouvez aussi donc écrire un règlement intérieur pour préciser les modalités de délibération. Est-ce qu'il y a un quorum, un nombre minimum de personnes à réunir pour faire l'Assemblée générale, ou un mode de scrutin, enfin voilà. Tout ça, c'est vous avez la liberté de l'organiser. Le conseil qu'on vous donne, c'est effectivement de prévoir des assemblées, la possibilité d'organiser une assemblée générale extraordinaire pour toutes les grandes décisions qui impacteraient la vie de l'association. S'il y a besoin de modifier les statuts, s'il y a besoin de dissoudre aussi l'association, ça se passe souvent dans les assemblées générales extraordinaires. Et à savoir aussi, vous avez la possibilité de définir plusieurs catégories de membres dans les statuts, c'est-à-dire avec des droits et des devoirs différents, un poids de vote différent, des tarifs de cotisation aussi différents selon les membres, c'est possible, mais c'est à définir précisément dans les statuts. Voilà. Concernant le conseil d'administration et le bureau, alors c'est deux instances qui ne sont pas obligatoires non plus selon la loi, que vous pouvez ou non préciser dans les statuts. Alors vous pouvez préciser les missions des personnes, la durée du mandat, comment est-ce qu'ils sont nommés aussi. Et s'il n'y a pas de précision, c'est les administrateurs collectivement qui gèrent la gestion courante de l'association. Donc, le bureau, en général, c'est considéré comme l'organe exécutif qui est élu par le conseil d'administration. C'est ce qui se passe dans la plupart des cas, et la composition est fixée par les statuts. Il est important aussi, quand il y a un conseil d'administration et un bureau, de définir la répartition des pouvoirs entre ces deux instances dans les statuts. Une idée aussi, c'est peut-être de créer lorsque l'activité de l'association est assez intense, de créer des groupes de travail ou des commissions pour travailler sur des sujets de manière approfondie, des fois en incluant des salariés aussi de l'association, même des bénéficiaires des activités de l'association. Ces groupes de travail ou ces commissions permettent de faire des propositions après aux instances, donc au bureau, au conseil d'administration. Voilà, ça c'est possible de l'envisager de manière temporaire ou permanente. Voilà. Ensuite, on a deux focus dans le guide, donc on en parlait tout à l'heure, sur la gouvernance collégiale et sur la délégation de pouvoir. Alors, sur la gouvernance collégiale, donc quand on parle de gouvernance collégiale, on parle par exemple de coprésidence ou de présidence tournante aussi, de bureau collégial. C'est l'idée de répartir la responsabilité entre plusieurs élus, de prendre des décisions collectives parfois, des décisions à la majorité des membres, c'est possible aussi.
et de partager un peu la fonction de direction. Alors, l'intérêt, c'est que ça lève quand même beaucoup de freins à l'engagement bénévole. On sait que ce n'est pas évident de trouver des bénévoles et encore plus dans la gouvernance. Donc, ça permet de lever les freins qui sont souvent donnés par les dirigeants bénévoles, manque de temps, peur des responsabilités, etc. Donc là, au moins, on partage les responsabilités, la charge de travail. Et également, c'est l'occasion d'inclure des jeunes dans la gouvernance, puisqu'on sait que c'est un public qui n'est pas évident à inclure dans les gouvernances, et de permettre une montée en compétences aussi collective sur ces questions-là. Voilà, et alors sur la délégation de pouvoir ou délégation de signature, donc les pouvoirs des organes décisionnaires, ils sont définis dans les statuts, encore une fois, et ils peuvent être précisés aussi dans le règlement intérieur. Et il y a une possibilité d'autoriser la délégation de pouvoir à un administrateur ou à un salarié. Et la délégation de pouvoir, Madame Beauminier le disait tout à l'heure, c'est une délégation de responsabilité à condition que le délégataire soit doté de l'autorité, la compétence technique et les moyens nécessaires pour accomplir la mission qui lui est confiée. Voilà globalement sur la gouvernance adaptée au projet associatif. Et je repasse la parole à Christophe. Le dernier volet de nos interrogations, du coup, c'est sur le siège social, donc qui est aussi une mention qui est obligatoire du coup, dans les statuts et qui est librement en fait, fixée par l'association du coup, et qui correspond en fait, à la domiciliation administrative. Donc on peut avoir un siège social et exercer d'autres activités quand même ailleurs. Et cette localisation quand même a une importance. Et, du coup, elle va déterminer en fait, les organismes et les juridictions compétentes pour réaliser certaines demandes, certaines organisations administratives, et notamment par exemple les subventions. Certaines subventions peuvent être conditionnées du coup à un siège social dans une commune, dans un département, dans une région. Et là, sur les conseils qu'on peut donner, parce qu'on sait que surtout sur les petites associations, le siège social est souvent fixé soit chez le président par simplicité, ou soit du coup dans des services via SO ou autre. Du coup, c'est de vu qu'il est, il peut être amené quand même à changer régulièrement, du coup. On recommandait du coup de prévoir une clause dans les statuts qui permette aux instances dirigeantes de modifier l'adresse du siège social de façon un peu plus souple, sans forcément passer par une assemblée générale à chaque fois, mais du coup en gardant quand même ce point d'attention du coup que cette motion soit soumise à l'approbation de l'assemblée générale. Mais c'est vrai que par exemple ça peut être un peu lourd si on déménage deux rues à côté, de devoir convoquer une assemblée générale extraordinaire et revenir encore de membres pour modifier l'adresse du siège social. Donc c'était la dernière partie en tout cas de ce travail introductif, et je ne voulais pas dire en préambule, mais aussi je voulais par mail, mais vous pouvez retrouver le document du coup sur les ressources du mouvement associatif avec toutes les autres ressources qui ont été produites. Donc vous pouvez transmettre le lien aussi sur le site du mouvement associatif et retrouver tout ça. Et je peux passer la parole du coup à SOS Amitié Nancy Lorraine, du coup, pour nous faire une présentation sur la mise en place d'une gouvernance collégiale au sein d'une asso. Et c'est Caroline Florence qui nous présentera ses travaux. Merci infiniment Christophe et Leslie pour cette présentation. Du guide. On va tout de suite passer au témoignage de l'association SOS Amitié Nancy-Lorraine concernant la mise en place d'une gouvernance collégiale. Et puis après ce retour d'expérience, on se laissera du temps pour reprendre toutes vos questions et pouvoir les poser à l'ensemble des intervenants présents aujourd'hui. Donc, Caroline, je vous laisse peut-être la parole pour prendre la suite. Il faut ouvrir le micro, on ne vous entend pas. Ah, je vais vouloir activer moi-même. Normalement, je peux faire ça. Oui, Caroline, vous avez le petit bouton avec le micro. Dans sur la barre noire, tout sur le côté.
Et donc là, vous cliquez dessus, il y a activer ou désactiver. Peut-être en attendant que Caroline, du coup, règle son problème technique, je vais en profiter pour prendre une ou deux questions qui ont été posées. Alors, peut-être revenir sur le premier temps avec votre intervention, maître. Il y avait une question que je n'avais pas eu l'occasion de vous poser. C'est une personne qui dit « Nous avons croisé dans une jurisprudence la notion de représentant conventionnel et représentant légal ». Selon les pouvoirs donnés dans les statuts. Cela semble lié au pouvoir d'agir en justice. Alors, j'imagine que c'est une remarque, mais peut-être que vous vouliez réagir à cela. Alors, représentant conventionnel, moi, je ne l'ai jamais vu dans les statuts, mais voilà, il faudrait regarder de plus près. Pour rappel, le représentant légal, alors tout le monde va me dire c'est forcément le président. Non, en fait, c'est celui qui est déclaré, enfin, qui est mentionné comme tel dans les statuts. Et s'il n'y a rien d'indiqué dans les statuts, en fait, il faut revenir à une décision de l'organe souverain, l'Assemblée générale, pour déterminer qui est le représentant légal. Et en effet, si l'association doit agir en justice ou doit se défendre en justice, il faut quelqu'un qui soit le représentant légal de l'association. Donc, il nous faudra une décision de l'AG pour désigner ce représentant légal. Et alors après, la notion de représentant conventionnel par rapport à représentant légal, c'est peut-être quelqu'un qui est désigné par les statuts, mais voilà, je ne vois pas à quoi ça peut correspondre. Mais si c'est dans une jurisprudence, il faudra que j'aille regarder éventuellement. Et puis je reviens vers vous, enfin je peux essayer de voir de quoi il s'agit, ou si la personne elle a la référence de la jurisprudence, que je puisse aller voir. Cela, c'est trop cool pour moi. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, maître, pour cette intervention. Je crois que Caroline, vous avez réglé vos problèmes de micro. Tout à fait. Très bien. Bon, c'est parfait. Comme ça. C'est super. Et écoutez, je vous laisse la main. D'accord, entendu. Donc, Caroline Florence, je suis de l'association SOS Amitié Nancy-Lorraine. En quelques mots, SOS Amitié, donc association loi 1901, reconnue d'utilité publique. Nous avons une cinquantaine de postes en France pour environ 1700 bénévoles. Nous recevons par téléphone environ 700 000 appels par an et à Nancy, 17 000. Il s'agit d'une association donc, qui répond par téléphone avec une écoute non directive, basée sur l'anonymat, centrée sur l'appelant. Voilà. Alors, comment en est-on venu à une gouvernance collégiale? C'est très, très simple. J'ai exercé la direction de SOS Amitié à Nancy pendant 7 ans et j'ai décidé en janvier 2022 de cesser cette activité parce que ça prenait beaucoup de temps et j'avais donné et je voulais que quelqu'un d'autre prenne le relais et personne n'a été volontaire, sachant que en 2022 également, lors de notre AG, le président a cessé également ses activités de président. Ça veut dire que nous n'avions ni direction, ni présidence à 6 mois d'intervalle. Donc, nous avons contacté le poste de Dijon, qui était un peu dans le même cas, mais eux, je crois qu'ils avaient, il en restait un sur les deux. Nous n'avions plus rien. Qui nous a renvoyé vers France Bénévolat de Dijon et qui nous a permis de réfléchir à ce qu'on pouvait mettre en place pour pouvoir faire fonctionner notre association au jour le jour et pour pouvoir être dans les règles au niveau associatif. Nous avons réfléchi et mise en place cette gouvernance, ça nous a donné 1 an hein, pour pouvoir y réfléchir à plusieurs. Et au bout du bout,
Lors de notre dernière AG, nous avons voté cette collégialité. Donc, je vais vous présenter un peu comment nous fonctionnons. Et nous avons également approuvé, bien sûr, les nouveaux statuts, puisqu'il a fallu modifier nos statuts et notre règlement intérieur également. Voilà. Alors, sur la diapo que vous allez avoir sous les yeux, qui est la diapo que nous utilisons, nous, à l'interne, vous voyez que nous avons, bien sûr, hein, comme toute association, une assemblée générale et un conseil d'administration avec 15 administrateurs. Nous sommes dans l'association à peu près, bon an, mal an, une quarantaine, entre 40 et 50 selon les démissions et les entrées. Dans ce conseil d'administration, il y a les élus de fait administrateurs, chacun se présentant s'il le souhaite, et il y a les membres d'un comité de direction que nous avons mis en place. Donc, dans ce comité de direction, il y a 7 membres qui correspondent à 7 responsables de commission. Ces 7 membres ont été élus au conseil d'administration d'un seul bloc, hein, c'est-à-dire c'était les 7 ou rien. C'est comme ça que ça a été présenté lors de notre AG. Voilà. Alors, nous réunissons le conseil d'administration à la louche une fois tous les 2 mois et en alternance, le comité de direction se réunit pour prendre les décisions. Donc, vous voyez que dans le comité de direction, donc, il y a 7 commissions: recrutement, formation initiale, formation continue, ressources humaines, gestion des écoutants, technique, convivialité, communication, représentation et administration. Donc, pour prendre les décisions, c'est le comité de direction, je dirais, qui va prendre les décisions vraiment de fonctionnement du poste au quotidien. Et il va en informer le CA. Lorsque les décisions sont importantes et engageantes, notamment sur le plan financier. Je pense notamment en ce qui concerne la formation initiale et la formation continue, puisque ce sont nos plus grosses dépenses, eh bien, le comité de direction va réfléchir à ce qu'il va proposer au conseil d'administration, et c'est le conseil d'administration, bien sûr, qui va décider de ce que l'on va faire ou pas faire. Hein. Donc, on est sur cette base-là, on travaille comme ça donc, actuellement. Pour avoir rempli les fonctions de direction pendant un certain nombre d'années, je dois dire que il faut nécessairement prendre du temps de réflexion, c'est-à-dire que nous n'avons pas modifié nos statuts et pas notre règlement intérieur durant 1 an. Nous avons travaillé en faisant ce choix de collégialité, mais comme on ne savait pas très précisément dans le détail où nous allions aller, nous avons préféré ne pas bouger les statuts et le règlement intérieur pendant 1 année. Et c'est seulement en 2023, donc lors de notre dernière Assemblée générale, que nous avons présenté les nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur à l'ensemble des membres de l'association, qu'ils soient directement écoutants ou pas. Et bon, bien sûr, ça a été approuvé, heureusement d'ailleurs, parce que je ne vois pas ce qu'on aurait fait, ça n'avait pas été approuvé. Mais je pense qu'il est très, très important de réfléchir et de savoir comment on va fonctionner, parce que c'est quand même très nouveau. Quand on a un président et un directeur dans l'association, la majorité des travaux repose sur ces 2 entités. Ce n'est plus le cas lorsque l'on est en collégialité, et donc ça suppose
une grande confiance entre les autres personnes. Ça suppose de trouver des bénévoles qui veulent bien participer aux commissions. Et ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours facile. Hein. On sait bien que, d'autant plus que dans notre association, le temps d'écoute dans une année, dans un mois, est très important. Hein. Donc, il faut demander en plus de la gestion, de la gestion du temps supplémentaire, et ce n'est pas du tout évident chez des bénévoles. D'ailleurs, on le rencontre dans toutes les associations, quelles qu'elles soient. Hein. Voilà. Et en ce qui concerne la présentation de nos nouveaux statuts, des membres de l'Assemblée générale et tout ça, nous n'avons eu aucun problème au niveau que ce soit de la préfecture, que ce soit au niveau, enfin quel que soit le niveau, on s'est réparti les tâches de façon équitable, les responsabilités, les signatures, hein, on en parlait tout à l'heure, il faut aussi discuter de tout ça. Qui prend les signatures au niveau financier, qui va, en cas de responsabilité alors civile ou pénale, bon, on va dire plutôt civile, mais bon, peu importe, vis-à-vis des appelants dans notre association, nous n'avons pas de responsabilité, c'est le biais de notre fédération à Paris, puisqu'on peut avoir des cas extrêmement difficiles, hein, je pense… des suicides, des incestes, enfin, des choses très dures. Et dans ce cas-là, c'est la fédération à Paris qui prend le relais. Bien sûr, avec les personnes concernées dans les régions, mais c'est la fédération qui prend le relais. Mais nous avons essayé, voilà, au mieux, de régler tous ces problèmes. Nous avons la chance d'avoir un bénévole qui est avocat, qui était avocat, et donc qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé pour la rédaction des nouveaux statuts, bien évidemment. Voilà, je suis prête à répondre à vos questions. Je pense que je suis pile poil dans les temps. Merci infiniment, Caroline, pour cette illustration de la manière dont vous avez pensé cette collégialité au sein de votre association. Alors là, il nous reste un peu plus de 10 minutes. Ce que je vous propose, c'est de prendre les questions qui arrivent là et de vous les poser. Alors, il y en a déjà une pour vous, Caroline, à partir de votre retour d'expérience. Il y a un des participants qui demande quelle organisation conseiller aux organisations en collégial pour une bonne répartition et régulation des pouvoirs entre le conseil d'administration et la direction. Alors, nous avons fait le choix de réunion. Alors, certains diront que c'est de la réunionnite. Nous avons fait le choix, comme je le disais tout à l'heure, de nous réunir relativement souvent. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, les membres du comité de direction qui sont de fait dans le conseil d'administration se réunissent tous les mois, une fois dans le comité de direction et une autre fois au sein du conseil d'administration. Ce qui permet des échanges rapides quant aux décisions à prendre et des discussions aussi pour savoir si on va prendre plutôt telle ou telle décision. C'est sûr que ça prend du temps, mais en même temps, ce temps-là, il était réparti entre la présidence avant et la direction. Hein. Donc maintenant, c'est… Il y a beaucoup plus de personnes qui prennent des décisions, même si elles sont moins importantes. Dans toute association, il y a des décisions importantes qui engagent l'association, et il y en a d'autres, bon, voilà, qui sont beaucoup moins importantes, mais elles sont quand même prises, discutées ou en CA, ou au moins le CA est informé. Ça, c'est sûr que c'est chronophage. Mais c'est le fonctionnement collégial. Le fonctionnement collégial, il y a beaucoup plus de personnes qui vont prendre des décisions, discuter, apporter des informations, et donc forcément, il y a plus de temps de pris individuellement, c'est clair. Mais c'est un moyen de fonctionner, et nous n'avions que celui-là pour ne pas faire mourir notre association. S'il n'y avait plus de président, plus de direction, on ne pouvait pas fonctionner si on ne trouvait pas une autre solution.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais bon, il faut dire aussi qu'au comité de direction, ce sont majoritairement des personnes qui avaient déjà des responsabilités dans certaines commissions auparavant. Hein. Au niveau des responsabilités, que ce soit au CA ou au niveau des commissions, il est clair que la grande majorité avait déjà des responsabilités quand on fonctionnait de manière classique. Merci pour cette réponse, Caroline, et cet éclairage. Je vais maintenant prendre les différentes questions. Alors celle-là, c'est une question, je dirais, plus ouverte qu'à destination pour le coup, là, de l'ensemble des intervenants présents aujourd'hui. La question est la suivante. Pour la gouvernance collégiale type coprésident, est-ce que le périmètre de leur mandat, donc celui qui gère la trésorerie, les RP, la com, etc., doit être défini dans les statuts, règlements intérieurs, ou est-ce que ça peut être en réunion de bureau avec procès-verbal pour preuve, sans que cela n'outrepasse le mandat confié par l'Assemblée générale, qui est souvent écrit dans les statuts comme l'asso, entre guillemets, l'asso est géré entre deux AG par... et stipulé ce qui est stipulé par la suite. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. Alors, moi, je veux bien me lancer parce que j'ai l'exemple de notre fonctionnement. Nous, il est clair que les membres du conseil d'administration, qu'ils soient du comité de direction ou pas, sont élus pour 3 ans, renouvelables une fois. Donc, pour l'instant, nos statuts sont ceux-là. Ce qui veut dire que depuis 2022, que nous fonctionnons comme ça, donc on a été élu en tant que responsable de commission, parce que moi je suis également responsable d'une commission, donc j'ai un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Donc on a gardé les mêmes temps, la même période de temps quant à notre mandat. Du conseil d'administration, mais c'est préconisé par notre fédération nationale, ce temps de mandat. Alors, il n'est pas dit que dans 2 ans ou 3 ans, si on ne trouve pas de bénévoles pour reprendre la tête de certaines commissions, bah, qu'on ne changera pas les statuts si des personnes responsables actuellement veulent continuer. L'avenir nous le dira. Là, on démarre une gouvernance et au fur et à mesure des problématiques, on essaiera d'y répondre. Merci pour ces éléments d'éclairage. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou apporter des éléments de précision, peut-être ? Lydie, je peux peut-être pour compléter oui. Le propos de Caroline. Si j'ai bien compris, il y a la question de où est-ce qu'on décrit le périmètre du mandat des coprésidents. Alors évidemment, si c'est dans les statuts qui ont été approuvés par l'AG, pas de problème. Si c'est précisé dans le RI, pourquoi pas. Après, moi j'aime bien notamment la représentation légale, il faut que ça soit dans les statuts, donc sinon il faut aller interroger l'AG, donc autant le préciser dans les statuts. Et puis alors après, les précisions sur un périmètre de mandat qui serait repris dans un PV d'une instance statutaire et donc voté par une instance statutaire, bah, tout dépend déjà si le pouvoir, si l'instance statutaire dispose de ce pouvoir, parce que si le bureau n'a pas les pouvoirs, il ne va pas pouvoir les donner mandat à telle ou telle personne pour les préciser, ou alors c'est dans le PV de l'AG qu'il faut le préciser. Voilà. Donc à chaque fois, il faut bien… ça redescend, c'est soit il n'y a rien du tout et on passe en AG, soit c'est au CA et là il peut préciser après ce qu'il confie à chaque coprésident, etc. Mais voilà, il ne faut pas louper une étape ou pas switcher une instance, attention à ça, d'accord. Et comme j'ai la parole, j'en profite juste parce que vous savez, la notion de représentant conventionnel, c'est tout simplement l'exemple du mandat, c'est ce qu'on prévoit par contrat. Je croyais qu'il y avait une formule peut-être spécifique dans une association spécifique. Mais non, c'est tout simplement, ça fait référence au code civil et c'est l'exemple du mandat. C'est on précise dans un contrat le périmètre du mandat. Voilà, c'est ça la représentation conventionnelle. Et donc oui, pour agir en justice, il faut bien avoir la représentation légale.
ou qu'elle soit déléguée, mais voilà, il faut que ça soit celle-là, pour compléter la réponse de tout à l'heure. Voilà. Merci infiniment, maître, pour ces, ces éclaircissements. Il y a une question aussi pour, du coup, pour vous, Caroline. Dans le cas de l'association du coup, SOS Amitié, qui est le responsable légal? Autrement dit, est-ce qu'il y a un représentant légal désigné dans les statuts de SOS Amitié? Alors, nous n'avons plus de président et nous n'avons plus de direction. Donc, dans nos statuts, le représentant légal, c'est en fonction, enfin, on n'en a pas un directement, c'est-à-dire qu'en fonction de la problématique qui pourrait être soulevée, ce sera un responsable de la commission attitré. Voilà, mais on a plus de représentant légal puisque nous n'avons plus de présidence. Voilà. Donc ça a été décidé comme ça dans nos nouveaux statuts, c'est-à-dire qu'en fonction de la problématique, bon, comme c'était dit tout à l'heure, hein, à partir du moment où tout va dépendre de la question qui va être soulevée. Si bon, nous on est plutôt en responsabilité civile, voilà, pénale, le problème ne se pose, à mon avis, pas trop. Voilà. Mais après, ça va être. Imaginons, nous avons une salariée qui, je ne sais pas moi, va tomber dans les escaliers. Eh bien, la commission administrative, puisque c'est la commission administrative qui s'occupe de la salariée, des finances, etc., eh bien, ce sera la personne-là qui va être responsable. Hein, on a décidé comme ça. Maintenant, peut-être que ce sera à revoir. C'est des choses. C'est des problématiques qui, dans un fonctionnement d'association, ne sont pas, comment dirais-je, ne sont pas prioritaires au sens propre du terme. Nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était de faire fonctionner au quotidien, au jour le jour, notre association dans les meilleures, dans les conditions optimales. Et heureusement, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions un juriste, enfin un avocat, et qui nous a dit, bah, on va faire comme ça pour de la responsabilité civile. C'est une réponse un peu de Normand, mais c'est vrai que c'est des questions qui ont été posées, on a un peu donné une réponse, voilà. Merci Caroline. C'est tout ce que je peux dire. Merci, c'est très clair. On va peut-être prendre une dernière question avant de vous quitter, sur la question des contentieux au prud'homme. Alors, il y a une personne qui évoque le fait, en cas de contentieux au prud'homme, qui est responsable devant la justice? En présence d'une délégation de pouvoir, en bonne et due forme, quelles conditions respecter? Et en l'absence d'une telle délégation, entre le président et le directeur? C'est une autre question. Je ne sais pas si quelqu'un veut y répondre. Si personne d'autre debout, je me propose. Alors déjà, en matière de, c'est vrai que c'est un peu particulier en matière de droit du travail, fonction employeur. Si vraiment il n'y a rien du tout dans les statuts, ce que je ne conseille pas, mais s'il n'y a rien du tout dans les statuts, par défaut, ça sera le fameux représentant légal qui sera désigné, ou par défaut le président, voilà, par défaut, ce sera ça. S'il y a quelque chose dans les statuts, bah, faudra respecter, ce sera la personne qui a le pouvoir au regard des statuts. S'il y a une délégation de pouvoir, bah, faut bien regarder le périmètre de cette délégation de pouvoir. Est-ce que bah, la représentation de l'employeur devant le CPH, elle rentre dans le périmètre de cette délégation ou pas? Et puis, faire en fonction. Et si ça ne rentre pas dans cette délégation, bah, potentiellement, l'instance compétente, si c'est le CA qui est compétent en matière de gestion du personnel, il peut faire un mandat spécifique à telle ou telle personne pour représenter la structure. Et d'ailleurs, ce mandat, il devra exister rien que pour mettre en œuvre la procédure de licenciement, par exemple. Hein. Il ne faut pas attendre le contentieux prud'homme pour donner le mandat à la personne de gérer le dossier. Voilà. Ça répond à la question?
Très bien, merci maître. Je vais peut-être prendre une toute dernière question là, que je viens de voir apparaître. Encore une fois, sur la question de la délégation de pouvoir, est-ce qu'un directeur ou délégué général, il peut déléguer un de ses pouvoirs, sachant qu'il dispose lui-même d'une délégation de pouvoir, ou faut-il justement que cette délégation, elle passe à chaque fois par le président de l'association? Eh bien, la réponse est assez simple, tout dépend s'il a la faculté de subdéléguer. On est toujours dans respecter D'accord. le schéma. Donc, si dès le départ, la délégation de pouvoir prévoit la capacité de subdéléguer, bah, il n'aura pas besoin de redemander. Alors que s'il n'a pas la capacité de subdéléguer, pour moi, il ne peut pas supposer qu'il est en capacité de le faire. Il faut que ce soit prévu explicitement pour éviter tout débat. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants présents, qui, enfin voilà, j'espère qu'ils vous ont donné des premières pistes pour vous interroger autour de la notion de la responsabilité du dirigeant bénévole. Merci maître, merci Jean-Baptiste d'Aesio, merci à Cindy, à Christophe et à Leslie pour leur grosse implication dans la réalisation de ce guide. Et enfin, merci à Caroline pour ce témoignage. Je vous souhaite à tous un très bel été et je vous dis à très vite pour un prochain un webinaire. Bonne fin de journée à toutes et tous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. C'était super, bravo. Ton micro est coupé, mais j'ai entendu ton merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Au revoir, merci, merci Mehdi. Merci infiniment, Adeline. Et merci pour cette intervention dans des temps contraints. J'en ai bien conscience. J'en ai bien conscience. Ouais, je ne sais pas si c'était très clair. Enfin, bon. Désolée parce que j'ai monopolisé un peu la parole sur la réponse aux questions. Ça, c'était normal. Je pense que c'était, d'accord. Oui. C'était assez prévisible, en fait. Au prix de la minute d'honoraire d'un avocat, là, c'était gratos. Donc, si on facturait toutes ces petites minutes au téléphone. On pouvait pas concurrencer, quoi. Voilà. Non, mais à bientôt. À bientôt. À bientôt à tous. Bon été. Merci. Adeline, est-ce que je peux te passer Marion. Justement, je peux te passer un coup de fil vite fait là. Tu as 5 minutes. Oui, 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 si tu veux. Pas de souci. Je t'expose. Je sais. J'imagine que je dois avoir ton numéro dans une signature mail. Je te l'envoie, Marion, si tu veux. Ok, très bien. Parfait. Un grand merci en tout cas, Adeline. Et s'il y a de la ressource ou quelque chose que tu souhaites partager, n'hésite pas à la transmettre. Je leur enverrai dans le lien de retour aux participants. Voilà. Bah, alors, je peux regarder parce qu'on a des petites fiches repères un peu qu'on publie pas sur Internet, mais qu'on peut remettre comme ça dans les formations, notamment sur la délégation de pouvoir, parce qu'a priori, il y a pas mal de questions. Oui, oui. Donc, voilà, je peux peut-être te transférer ça. Super. Nickel. Voilà. Bon, parfait. Bah, merci beaucoup, Adeline. Et puis, je te souhaite très beau week-end. Tu m'envoies le numéro, Mehdi. Je te le dis, de toute façon, 06. Ah oui, bah oui, c'est plus simple. 09. On a presque plus de spectateurs comme ça. 06, 72, 09, oui. 14, 13. 14, 13. 06, 72, 09, 14, 13. Super. OK. Voilà. Allez, à plus. À tout de suite. À bientôt. À bientôt, Mehdi. À bientôt, Adeline. Merci. Salut.